Je vais t'envoyer un message. Ah si, je devrais être large. Alors. Qu'a-t-il bon à proposer? J'ai lu ça de ma vie. Ça non plus. What the fuck? Je suis pas ou ok. Oh wow, Là, ah ça va être... là, t'as de quoi te Ah, défoncer la gueule toute la journée. ah Ah, ouais. de la Ah. petite dose à la plus grosse dose. C'est la... Bon, je te conseille de commencer par la grosse et finir par la petite, parce qu'après, c'est bizarre. Ça va partir chaud. Ah, écoute, Je on lève la verra. caisse. Mais en vrai... Ouais. Parce qu'à mon avis, je... Tu vois, là, je vais aller choper le chien pour le gars, là. Mais Bah en ça se... vrai, si elle fait pas grand chose, allez vous promener ou je sais pas, moi, tu vois. Ok. Bah, du moins, si elle fait pas grand chose, une petite promenade tranquillou, et puis après, tu lui dis, ah, tu sais quoi. Ouais, t'inquiète. Vas-y, je fous ça dans le Bah, coffre, je vas-y. verrai bien. Vas-y. Ah, ça pue sa mère. Je m'embarque dans un plan, mon vieux. Ben non, ben. C'est le début d'une belle aventure, tout ça. Ah, ouais! Sûrement, je te le souhaite. Les débuts de la fin, oui, surtout. Je vais Bon gars, merci. Ouais. Et peut-être adieu, quoi. Non, 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 t'inquiète pas, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Force. Force. Juste me changer de fait pas aller comme ça. Putain ça. C'est où les vêtements là-dedans? Ouais, est-ce qu'ils ont mis les vêtements, sérieux? Oh. Incroyable. Incroyable. On peut pas changer ici. Oh gros, c'est quoi ce magasin? Incroyable. Le magasin de vêtements est pété. Super. Ce serait pas derrière la caisse? J'ai découpé un truc. Ah non, c'est pété. Hein. Il n'y a pas de magasin ici. Ok, le magasin il est cassé. C'est super.
Je vais là-bas, hein. Pas chaud. Hein. Oh wow, il s'est passé quoi là? Shit. Tu vois pas que c'est la même ici? Allez gros! Ah voilà, je préfère. Et pépère. Ah, hop. Hello. Yeah, this is him. You know? Yeah, man, fuck it. I spent like a whole hour stalking.
parce que je vais prendre. Hein. Oh, you must be looking to get laid down. Whatever. Bonsoir, bonsoir. Allez, mon. Ouais, j'arrive. Salut. Comment tu vas? Ça va, toi? Tranquille, tranquille. Alors, dis-moi, faudrait que je sache ce que tu as comme, comme animaux. C'est-à-dire, okay. C'est-à-dire comme chien, comme différents chiens, comme. En fait, okay, faut, je sais pas du tout ce que t'as. Et il faut que j'achète un chien pour quelqu'un. Je lui avais dit que j'ai une surprise, et je sais pas du tout ce que t'as, j'ai une idée. Ok, mais dans les chiens, ça dépend si tu veux un petit ou un gros chien. On a des carlins, caniches, huskies, golden retriever, rottweiler, berger ou westie. Attends, rottweiler, attends. Ça dépend aussi des prix que t'as à mettre dessus. Ok, le Rottweiler, il a combien? C'est le plus cher, il est à 8900. Ok, et est-ce qu'il y a... comment dire... des pelages différents? Ouais, dans toutes les races, il y a des pelages différents. Ouais, mais du coup, il y a quoi comme... il y a quoi pour le Rottweiler? C'est une bonne question. Il faudrait que j'aille voir dans les portées qu'on a, c'est quoi les choix. Ok. Et les autres, c'est quoi? Ton Rottweiler, t'as dit, et quoi? Dans les gros chiens, mais il y a le Rottweiler, le Golden Retriever, le Berger, le Husky. Ah, quoique, peut-être un Berger, ça pourrait le faire, en vrai. Je sais pas. Oh, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Faut que je choisisse et je connais pas le gars. Pourquoi j'étais dire j'ai eu faire une surprise? Je suis vraiment débile. Mais. Après, ça dépend c'est quoi. C'est un jeune, mais je sais pas du tout ce qu'il aime en fait. Est-ce que c'est une personne qui est beaucoup active, qui veut un chien qui va beaucoup bouger? Honnêtement, ouais, je pense, ouais. Bah, j'irais probablement avec le husky ou le berger. Le berger? Ouais, je pense que je vais prendre un berger. Attends. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Ouais, c'est mes prefs. Ok. Bah écoute, va pour ça, écoute. Et après, au niveau du coloris de pelage, genre, j'ai aucune idée. Au pire, je te vais choisir, tu sais quoi. Ok, bon, je fais ça. Puis, est-ce qu'on y faisait un kit de départ avec ça, avec un kit de soins, de nourriture et tout? Ça reviendra à combien au total? Aucune idée. Si je calcule ça, le berger est à 3500. Ben, je pourrais te faire un kit de départ qui pourrait être bien pour peut-être 4500 ou 5000. Ok. Est-ce que le mieux ce serait pas que j'appelle le gars et qu'il vienne le prendre sur place? Comme ça tu lui expliques. Ah, ben c'est sûr que ça pourrait être bien, ouais. Les subtilités, parce que alors, j'aurais aucune idée de comment lui expliquer les choses. Alors, il pourrait directement choisir son préféré de la portée aussi. C'est ça, c'est ça. Alors attends. Est-ce que tu vois qui c'est Ravi? Non, je sais pas c'est qui. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, aucune idée. Contact.
Oh la liste, où il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ah, j'espère qu'il est là. Ben oui. Ou alors ce sera peut-être après la tempête. Au pire. Je sais pas, ça dépend combien de temps t'es là en fait. Je vais être là pour quelques heures encore. Ok. Peut-être pour 3-4 heures peut-être. Ah ouais, donc largement après la tempête alors, oui. Mmh. Ouais, répond pas. Bah tu sais quoi? On va attendre un peu. Je resterai d'appeler plus tard. Et si après la tempête tu réponds pas, bah, je prendrai et on choisira pour lui. Écoute. Ok, mais c'est bon. Mais je peux préparer un kit pendant ce temps-là et mettre ça de côté. Moi ouais, je veux bien, ouais. Merci. Parfait. Okay. Du coup, tu fais quoi après là? J'avais pas grand chose de prévu. J'attendais de voir si j'avais des commandes à faire aujourd'hui, s'il y avait des gens qui attendent après moi pour des trucs. Ouais, ok. Bah, ça te dirait pas de bouger ou faire un tour, je sais pas, après, ou quelque chose. Après, ça dépend si t'as quelque chose de prévu, je sais pas. Ouais, pour l'instant, j'avoue que c'est vraiment tranquille. Ouais, bah pareil. Ouais. Pour le coup, je suis en service. Ouais. Après, il y a le fly, je crois, qui est ouvert, je sais pas trop. Ouais. Pour une fois que je suis en service. Tu me diras. Oui. Je sais pas. C'est la tempête était prévue pour que... dans combien de temps? Oh, on a le temps, là. Il y a une bonne heure. Ah ouais, c'est on pas une heure. Suite. Donc en gros ouais, je sais pas, je t'aurais proposé d'aller te balader, ou je sais pas, plage, ou alors aller à la baraque, se poser là-bas, discuter de père, je sais pas. Ouais, on pourrait faire de quoi avant la tempête, j'avoue que c'est un peu long en ce moment. Comment ça? Parce que c'est tranquille. Ouais, bah ouais. Ouais. Comme tu le sens. Comme tu le sens. Ok. Mais ouais, c'est bon, pourquoi pas. Let's go. On y va. Let's go. Ah, je sais. C'est ça que j'ai. Et... c'est ça que j'avais pensé. Et les chats, t'as quoi comme chat? Ça par contre je vais en prendre un pour moi, à la baraque. Ah oui. Mais je vais te. Mais parfait, ouais. Je vais t'en chercher une portée, tu pourras choisir ton préféré. Celui avec la couleur que tu veux. Oh nice, ça c'est bien ça. Okay. Est-ce qu'il y a des chats différents ou c'est tous les mêmes? Ça par contre c'est la question. Ouais, c'est la même race. Ok. Moi bah, je suis bien curieux de voir. Parfait, je vais te chercher ça. Merci. Ah, excellent. Pour une fois j'oublie pas. Ah ça va être drôle par contre. Ah ouais, je sais pas si je pourrais un noir comme l'autre là-bas. Là. Ouais. Sauvage, je suis un sauvage. En vrai, je vais leur prendre un berger. C'est qu'un rot, c'est trop classique.
Ouais. Ou alors un comme ça. Tu vas pouvoir choisir celui qui te plaît le plus. Et excellent. Alors, il va falloir m'expliquer. Quand tu le prends, en fait, tu peux. Tu Ah, c'est décides là que je de choisis le. choisir Ok, celui avec la couleur que tu préfères. ouais. Ok. Je me rends compte d'un truc. Ouais. J'ai la commande de quelqu'un sur. Oh, bref, je poserai ça au garage après. Oh merde. Ah oui, ok. Faut sélectionner le nom d'abord ou la couleur d'abord? Enfin, le. Question. Peu importe. Peu importe. Est-ce que le gris il est rayé, tigré? Tu sais? Non, le Non? gris est comme le mien. Ok. Attends, je vais te... Ah non, c'est... Mais ouais, je suppose qu'il est comme... plutôt, je veux dire, comme mon lapin. Ok, alors attends. Je pense que je vais prendre l'or. Ouais. Oh, ok, c'est le même coloris, ouais. Du moins la même couleur de pelage que. Ok. Je prends en noir. Je prends en noir et je vais l'appeler CLM. Nickel. Alors attends. Hi, excellent. Et il s'appelle comment? Salem. Ah ben oui. Ouais, bonjour, bonjour. Ok, bah c'est excellent. C'est parfait pour la maison ça. Tu sais, je te donne avec le kit de départ, avec deux kits de soins, puis un petit peu de nourriture. Un peu de nourriture. Yes. Mais du coup, je veux la combien pour ça? Avec le kit de départ, ça va être 4000. Ouais, c'est nickel. Parfait, je te fais ça. Et voilà. Ok.
merde, ouais. Mais au pire, est-ce que tu veux aller faire ça, puis je t'attends ici? C'est pas pratique, ça. Ouais, je comprends. Ben, peu importe, comme tu veux. Je fais. Ok, parfait. Et je vais ranger la voiture pour pas avoir à stresser avec la tempête. C'est une nouvelle voiture que t'as là? Ben oui. Ouais, c'est pas toi qui disais qu'il y avait jamais d'accident. Non, pas du tout. Je posais la question. Ah, merde. Ah ouais. Avec celle-ci? Mais une chance, mais... Ben, j'avoue que des fois ça fait peur. Ça m'est arrivé une fois comme ça, puis j'étais chanceuse, j'ai failli tomber en bas du pont en plus, mais c'est comme la barrière sur le côté qui m'a arrêté juste à temps. C'est mieux comme ça. Ouais. Non, je suis rendue un petit peu, peut-être un peu traumatisée en fait, parce que j'ai trop embarqué avec Teddy. Mais ça vient peut-être de là, je pense. Je sais pas, mais non, mais avec Teddy, c'était pas en moto.
auto, oui. Ouais, c'est ça. Il y avait sa voiture de drift et tout, puis... Ouais, c'était pas trop évident. Ouais, vas-y. Je sais pas, l'autre fois tu disais que ton intérieur était pas trop décoré. Hein. Ah ouais, mais j'ai pas vu. Mais non, ça m'a pas montré. Mais là, en plus, t'as laissé toutes les traces de voiture sur ton gazon. J'espère qu'avec une baraque comme ça, t'as quelqu'un qui vient faire un jardinier ou quelque chose, hein? Ah oui, j'en doute pas. Ah ouais, ça a l'air grand. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais prendre un guess que ta couleur préférée, c'est le rouge. Ah ouais, quand même la vue. Ok, c'est joli. C'est joli avec le petit foyer comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas le livre qui est là. Je sais pas, c'est quoi, c'est un livre pour comment faire plus d'argent, c'est ça? Celui avec les 4 symboles de l'art.com. Ouais. C'est pratique pour ça de faire affaire avec un décorateur. Ah ben oui. Ah c'est ça, ils sont ensemble pour vrai. Ben, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, je prendrais peut-être un petit quelque chose.
Ah, mais on peut sortir aussi, hein. Ben oui. Merde, j'ai pas aimé ton micro. Ouais, on va profiter dehors, ça c'est plus cool. Tu me diras, même la nuit, c'est cool la vue ici. C'est bien. Mais au passage, j'ai même pas décoré l'extérieur. Je peux décorer l'extérieur en fait. Surtout ouais, faudrait... surtout à la limite du terrain. Donc, faudrait mettre de quoi autour de la fontaine, être un peu tout seul. Ouais, mettre des tables et tout. Mais honnêtement, j'ai aucune idée de comment. Ça va me prendre des plombes à faire ça maintenant. Faudrait que je le fasse ouais. Tranquillement. J'y arrive. Pas maintenant. Après, ouais. Pas. Alors attends, fais attention à toi. Hop là. Donc c'est dans le coffre. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Non, pas comme ça. Voilà. Alors je te dis honnêtement, c'est Aprio qui m'a dépanné. Il m'a filé du champagne, du punch, du... Enfin, du cul... Ok. Tequila Sunrise, Burrito. Cosmopolitan, du rhum. Oh, ça c'est peut-être un peu fort. Ouais, un petit cocktail, ça va. Du style Tequila Sunrise. Ou Burrito. Ouais, vas-y. Ok, peu importe. Peu importe, ok. Bah écoute, va pour tequila. Hein. On va faire ça. Tiens. Le problème c'est que le coffre de la maison il est trop petit. Dommage. Ouais, c'est dommage pour ça. Tiens, va pour toi. Merci. Y'a pas de soucis. Oh, pire, attends. On va de ça. C'est un peu dommage avec les vitres cassées. Mais ouais. Elles le sont pas vraiment. Ouais, je sais. Mais. Mmh. Ouais, non, c'est bon. Mais ça me fait le même problème. Quand on les ouvre. Même là, j'ai rien posé en fait. Il faudrait que je la décore la maison. Au pire, on peut ouais, se... c'est... Au pire, on peut s'amuser à ça, mais bon, ça va être long. Je suis la taille du jardin. En sachant que je vais acheter celle d'à côté dans quelques jours, là. De quoi? Tu vas acheter quoi à côté? C'est la maison d'à côté. Quoi? Et ouais, c'est pas une blague. Mais tu vas faire quoi avec tout cet espace-là? Ah, la même chose que Aprio. C'est quoi qu'il fait? À louer les maisons. Ah ok, je vois. Mais bon, quand tu auras personne, évidemment, je vais la squatter, mais... Un coup j'irai ici, un coup j'irai dans l'autre. Au pire. Ouais, ça fait des grosses baraques à louer. Ouais, c'est ça. Mais au pire, je peux inviter des potes, faire des soirées. C'est le but. C'est le but, c'est le but. Bon, bon. Ouais, avec ça, tu peux faire les plus grosses soirées en ville. Y'a ça aussi. C'est... Honnêtement, j'y avais pensé. Il y avait un gars avec qui j'aurais pu le faire. Et je me suis pris la tête avec lui. Donc ça aide pas. Ça aide ouais, pas. Comment ça? T'es au courant que je suis censé prendre les taxis? Ouais. Ouais. Et bien en gros, je me suis pris la tête avec le mec avec qui je vais prendre le taxi. Et ce gars-là, c'est lui qui va organiser les soirées en fait. En gros, en gros, il veut ouvrir une espèce d'agence événementielle. En gros. Ok, mais là, il faut que vous régliez ce petit problème-là d'abord. Bah, le problème est réglé. Hein. J'ai viré du projet, c'est simple. Ah, ok. Alors non, je peux pas. Il s'est foutu de ma gueule, donc s'il me fait ça avant que le projet commence, c'est pas possible. Non,
Ah ouais, je vois. C'est trop dangereux pour la suite. Après, au niveau événementiel, faire la fête, tout ça, c'est pas un souci, hein. Je peux encore discuter avec lui. Mais il y a quand même un froid, quoi. Faut voir. Après, j'ai pas besoin de lui pour faire une soirée, en vrai. C'est pas. Ben non, sûrement pas. C'est pas. Ouais, des fois, c'est mieux de faire les choses soi-même. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouf, ah oui, ça tape. Ok. Je m'attendais pas à ça. Et pour le coup, ouais. En parlant de faire les choses soi-même. comment dire? Du coup, t'es bien avec Black en fait. C'est ça? Ouais. Ok. Et. J'ai pas envie de tourner ça mal en vrai. C'est un sujet bien délicat quand même. D'accord. Ah, parce que j'ai bien envie d'apprendre à te mettre un peu plus, mais. Black. Vu que t'es sa régulière, ça peut être un problème. Si tu l'apprends, ça peut être dangereux. C'est ça. Mais en fait. Tu sais, quand on est allé à l'orpaillage l'autre jour? Oui, tu me parlais du fait que tu te sentais mal. Il y avait un truc. Mais. On a croisé un des paganes. Oh, c'est vrai, putain. Puis, en fait, ouais, il a cru des choses, puis. Oh, c'est déjà le cas en fait. Oh merde. Ouais, en fait, il est un peu tombé sur le Black en disant que j'étais infidèle et tout ça. Waouh. Oh putain, merde. Oh, fouf. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est déjà parti en couille en fait. Alors attends. Et qu'est-ce qu'il a dit du coup? Voilà, c'est en train de me rendre fou là. Mais tu veux savoir ce que Black a dit? Ouais, je suis bien curieux, ouais. J'aimerais bien savoir de quelle façon il est moins de taper dessus. Mais Black, il sait qu'on allait faire de l'orpaillage et tout ça, puis qu'on était amis. Ok, ça va, Fait ouais. que. Ouais. Mais je sais que ça a créé un peu de quelque chose entre Ouais. les deux au club. Ah, ils se sont embrouillés un truc, carrément. Ouais, un peu. Disons que Black a pas trop aimé que l'autre lui tombe dessus un peu comme ça, en partant des rumeurs, des trucs, parce qu'il avait vu. Ah bah ça va, c'est pas parti en embrouille, ok, ça va. Ok. Bon, je m'attendais à pire, ok, bon, écoute. Ils se sont battus entre eux. Mais oui, j'en ai quand même parlé avec Black, puis il me fait confiance et tout. Ah, je vais pas. Ok, bah si tout va bien, écoute. Honnêtement, moi les Pagans, je suis pas en mal avec eux, j'essaierai pas de me mettre en mal avec eux. Après, je vais pas te mentir. Je vais rester tranquille, tout simplement. Je vais pas faire le fou. Ouais, mais je pense pas qu'ils cherchent trop les embrouilles non plus, c'est juste que. Ouais, des fois, c'est déjà pas évident entre certains membres du groupe et tout. Il y en a qui ont des caractères plus forts que d'autres.
Ouais, j'imagine. Après, je pote, ouais. Compliqué. Compliqué. Mais justement, celui que qu'on a croisé, je trouve que c'est plus difficile de créer un lien avec lui, d'apprendre à le connaître. Ah, ouais. Surtout toi, j'aurais voulu apprendre à connaître. Ben oui, mais moi je suis pas assez difficile à apprendre à connaître, non? Ah bah écoute, ça fait pas longtemps qu'on traîne ensemble. Écoute. Donc j'apprends à te connaître tranquillement. Mais après, ouais, écoute. Je veux pas que ça. En fait, le problème c'est que. Ça peut être dangereux, ouais. Tu sais quoi, je vais rester tranquille. J'ai pas envie de faire une dinguerie. Alors oui, quelque chose qui fait que quelque part, je suis curieux. Mais ça peut créer une embrouille totale. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Mais t'es curieux de quoi? De te connaître mieux que ça, enfin de traîner plus avec toi, tu vois. Mais après, j'ai pas. Tu vois, ça peut créer une embrouille avec Black. Tu vois? Je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai pas envie de créer un espèce de drama. Ça va créer un drama, de toute façon, c'est déjà le cas. Si vous aviez ensemble. Enfin, si nous avions ensemble l'autre soir. Ouais, il te fait confiance, mais bon. Arrive à un moment, ça va finir par. Il le sait que t'es venu ici déjà ou pas? J'ai pas eu le temps de vraiment lui en parler. Hey. Ah, donc ça fait deux fois. Mais Ah je ouais. pense pas, c'est pas avec Black que ça a posé problème. Ah bon? Puis c'est pas le fait de traîner avec des amis qui ça va te déranger. Je pense que. Ouais, ok, bon écoute. Puis après, ce que les Bon écoute. autres en pensent, c'est. On s'en fout un peu. Ouais. Bon écoute. Bon sinon, on va parler d'autre chose. Plutôt malaisant tout ça. Mais ça va, t'inquiète. Ouais, écoute, si ça va, tant mieux. Et du coup, la personne que je voulais te faire embaucher à ton magasin, c'était Nashka, un pote. Mais au final, comme on n'a jamais réussi à te joindre, il a été se faire embaucher au Fly. Ah ouais. Ben ouais, je comprends, ça a été une semaine difficile. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Bien compris. Mais en même temps, s'il a trouvé un boulot qui lui plaît, ben tant mieux pour lui. Ouais, là, il fait de la caillasse, ouais. Il en fait un peu, il en fait un peu. Bien qu'il soit mal payé, j'avoue. Ah ouais. Ah, c'est pas. En même temps, c'est pas la rose, hein, au niveau chiffre d'affaires là-bas. Ouais, c'est. J'ai entendu dire aussi que c'est pas top. Puis en même temps, c'est quand même travailler avec Teddy, donc c'est quelque chose en soi. Ouais. Je ne commenterai pas. Ah Ben, c'est putain. correct, moi je me le permets. Ah, ouais, bah je le connais pas assez donc je commente pas. Je me mêle pas de ses affaires. Ouais, mais tu savais qu'il a essayé longtemps de m'avoir en fait. Quoi? Ouais. Il a essayé de t'avoir. Ah, il t'a dragué en gros. Ben, il a essayé beaucoup de choses, ouais. Ok. Bon après je veux pas me cacher que tu restes quand même une fille attirante, mais bon. Je sais que t'es avec Black par exemple, donc j'ai pas amusé à faire une dinguerie. J'ai pas envie de me manger comme sur la gueule. Non, en fait, c'est Black qui a fait le coup à Teddy. En fait, c'est lui qui est venu prendre sa place, en fait. Ah ouais, ok.
Il a pas osé, ok, je vois. T'es dit à pas oser du coup. Mais c'est comme Black qui a pris. Qui a pris les devants, puis qui a comme. Ouais, tu aurais expliqué un peu. Ouais, bah il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Ok, ok. Bon. Bon, moi je suis fixé. J'ai quand même eu peur que quand ça arrivait que t'aies dû le prendre mal. Oh, je pense pas que ce soit du genre à le prendre mal, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Des nanas, j'en ai croisé plusieurs en ville. Alors, il y en a une qui m'avait tapé un peu dans l'œil, vite fait. Au final, elle s'est installée avec le chef de la police. Alors, du coup, j'ai pas trop cherché à savoir plus. Ah, ouais, le chef est avec quelqu'un. Ouais. Yes, yes. Il est avec quelqu'un. Du coup, j'ai abandonné l'affaire et. Et voilà, et puis après, j'en ai croisé d'autres, mais j'ai pas vraiment cherché à comprendre quoi. Maintenant, je fais comme ça vient. Je prends pas la tête. Donc si ça vient pas, écoute, tant pis. Je prends pas la tête. Hein. Je continuerai ma life solo. Ça m'empêchera pas de me faire mon fric. Mais non, c'est ça. Et de toute façon, ouais, ça sert à rien de trop forcer les choses non plus. On est dans le thème. On est dans le thème. Pour te dire honnêtement, il y a des gens qui s'attendent à ce que je réussisse cette drague. De quoi? Ouais, de quoi? Ouais. Pour te dire honnêtement, il y a des gens qui s'attendent à ce que je réussisse à te draguer. Mais en vrai. Mais des gens qui? Des potes, des amis. Il déconne avec moi. Et du coup, j'aurais fait miroiter que, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Je laisse. Mais tes amis savent que je suis avec Pat, non? Oui, oui, ils savent. Mais ils diront rien, mais c'est Jess et Aprio. Ils étaient là il y a l'autre soir, ils étaient ici. Mais au final. Je vois, ok. Je suis beaucoup trop. Enfin, je sais pas comment dire. Beaucoup trop respectueux pour tenter quoi que ce soit sur quelqu'un qui est déjà en couple, tu vois. C'est pas. Pas possible comme ça, là. Tu comprends? Donc, au coup, j'en profite pour me poser, quoi. Ça me fait une grosse soirée off où je peux chill et rien foutre, en fait. Avec le travail que tu fais. Ouais. C'est bien assez. C'est bien assez. Et vu que je suis off, du coup, je me demande si je suis vraiment off. Attends. À tous les coups, je dois avoir un collègue au garage. Ça m'étonne quand même que Jess ait dû penser ça. Ouais. Bah après honnêtement oui, j'aurais dit que ouais. Merde. Bon, là je me suis trahi par contre. Là je me suis légèrement trahi en fait. Mais en gros ouais, c'est vrai que bon, tu m'attires un peu, je te l'ai dit. Mais je tenterai rien parce que t'es déjà en couple en fait. Attends, personnel. C'est pas ça. Comment on fait déjà? Je sais plus. Bon tant pis. Oui, t'as entendu ce que j'ai dit. Eh ouais. Voilà. Et je veux pas créer de drama en fait, donc c'est pour ça, je reste tranquille. Mais je t'avoue que tout ça me surprend un peu, mais bon. Ouais, j'imagine. Ah, je suis quelqu'un de trop honnête des fois. Et c'est ce qui me trahit des fois. Je t'avouerai que l'honnêteté, ça porte préjudice des fois. Mais bon, tant pis, écoute. Hein.
Ouais, mais c'est bien d'être honnête, tu sais. Oui. C'est juste que des fois, oui, il y a trop honnête, mais. Ouais. Mais je pense pas que c'est un problème non plus. Ouais. Non, non. C'est mieux ça que de mentir. Oui, clairement. Mais après, ouais.